Noy, de nouvelles aventures pour vous avec cette arrivée au Sporting. Vous restez dans ce championnat de Ligue 2, mais avec une équipe qui va redécouvrir la Ligue 2, contrairement à Guingamp qui faisait partie des gros cylindrés l'année dernière. Oui. Je viens d'arriver. C'est une équipe ambitieuse. C'est qui est bien avec pas mal de joueurs de qualité. Et quoi de mieux pour pourquoi pas déjà le maintien et après pourquoi pas viser plus haut. Vous arrivez dans un club qui n'est pas inconnu, bien évidemment, au milieu professionnel. C'est un club qui a une grande histoire, que vous avez déjà croisé sur votre route. Oui, je l'ai croisé quand j'étais à Nice. c'était chaud déjà. Mais voilà, ça me fait plaisir maintenant d'être ici et de jouer pour ce club. Comment ça se passe justement à 32 ans? C'est une nouvelle aventure pour vous qui commence véritablement? On part dans l'inconnu ou pas forcément? Un peu des deux, pas forcément parce que c'est une équipe de foot comme les autres. Mais oui, l'inconnu parce que l'environnement, je ne le connais pas ici et je sais qu'il y a beaucoup d'engouement ici. Et moi, ce que j'attends le plus, c'est de faire des matchs et de voir les supporters. Justement, ces deux années sans supporters, ça a été compliqué à gérer quand on est joueur de foot. Ouais, c'est difficile. Parfois, on a besoin des supporters dans certains moments du match, des moments clés. Et souvent, c'est les supporters qui nous font jouer et qui nous font gagner les matchs. Ce qui est bien, c'est que vous arrivez en début de préparation avec cette équipe du Sporting, très tôt dans le mercato. Ça va faciliter l'intégration au vestiaire et puis même au système de jeu, etc. Oui, c'est toujours bien de commencer en même temps que tout le monde. Au moins, on peut s'adapter le plus rapidement possible. Et après, par rapport à l'intégration, j'en ai croisé pas mal, donc c'est toujours plus facile. Mais sinon, j'ai pas de soucis pour ça. Vos premières impressions, justement, sur ces premières journées, ces premiers entraînements avec le Sporting? Top, vraiment top. L'environnement, les terrains, les ateliers, tout ce qu'on fait, c'est vraiment bien. Et en plus, j'ai des bons gars avec moi.